suis dans les beaux yeux verts de Patch, qui est photographe. L'œil d'un photographe, c'est vachement important. Oui, il me semble que c'est son outil avec lequel il peut travailler et sa passion aussi qui passe par là. Alors aujourd'hui, tu es là parce que tu as une superbe actualité. Tu as mis en place une exposition. Parle-nous-en. Art Society. Merci. Art Society, c'est une exposition de portraits noir et blanc, grand format. Format géant de 1m20 sur 1m20 et qui est formé comme ça de personnages souvent des particuliers que j'ai pu rencontrer ou dans la rue ou par mon chemin de travail ou des personnalités plus célèbres quelquefois, et j'ai pu les photographier dans mon studio, tout en studio, tout en noir et blanc, et en leur proposant de participer à ce projet qui est un projet qui est censé voyager et, Donc une exposition itinérante, elle va aller dans plusieurs villes de par le monde, j'espère. Plusieurs pays même. Voilà. Donc ça commence par Paris. Paris au mois de juin, Cape Town en Afrique du Sud au mois de décembre. Génial. Et ensuite, la suite, je n'ai pas encore le programme, mais j'espère pouvoir aller dans beaucoup différentes capitales et montrer un exemple de métissage un petit peu comme ça, dans les endroits où il y en a besoin, où c'est important. Dans les grandes villes. Dans les grandes capitales. Alors, le concept, c'est qu'à chaque passage dans une ville, l'exposition va s'enrichir de nouveaux portraits. Avec un portrait qui pourra donc s'ajouter à l'exposition et qui partira à nouveau dans d'autres villes ou villages d'ailleurs, parce que c'est un land art, c'est une exposition de plein air et qui s'expose un petit peu partout, sur les stades, dans les rues. Et ça va faire justement un grand patchwork. Ton métissage se trouve là-dedans. Exactement. De tisser tous ces visages et représenter le monde entier en fait. Et au départ de la Réunion. Quel grand projet! Eh bien oui, pas comme moi d'ailleurs, mais oui, c'est un grand projet et je tenais à avoir un qui puisse véhiculer mon travail et alimenter ma passion. Alors, un travail comme celui-là demande beaucoup de sous. Comment t'as fonctionné? Eh bien, comme je n'avais pas autant pour pouvoir organiser cette exposition, qui est d'une assez grande envergure, j'ai trouvé un mécène en fait qui était intéressé par l'art et qui a aimé mon travail et qui m'a proposé donc de participer en majorité à la réalisation de ce travail, mais qui tient à rester anonyme. Alors, ce monsieur qui est anonyme, on le salue. Parce que c'est vrai que c'est super beau, tu as pu trouver ton cachet, la vraie patte, la vraie griffe de Patch. Elle est là, dans ce grand format, dans le noir et blanc, cette grosse signature. Format carré. Oui, format carré. Et c'est vraiment ta griffe. Est-ce que les particuliers peuvent avoir la même chose? Ils ne peuvent pas avoir forcément ce qu'ils voient, puisque ce ne sont pas des photos que je vends, c'est des photos que j'expose. Mais ils peuvent commander ce type de travail, ils peuvent demander de réaliser pour eux ou pour leur famille ou enfants des portraits noir et blanc, des travaux un petit peu artistiques. Ça peut être vraiment superbe dans une chambre à coucher, un salon, un effet vraiment géant. Ça m'a déjà été demandé, puis c'est vrai que c'est assez particulier et surprenant de trouver ça dans un intérieur. Ça dit bien, et les familles seront contentes, ou les parents, lorsque les enfants. Alors raconte-nous l'histoire, l'anecdote avec Arthur. Arthur, l'animateur télévision qui était ici à La Réunion il y a quelques mois pour présenter son spectacle. Et qui voyait, lorsqu'il était dans une des clubs de Saint-Gilles où j'expose aussi, en exposition permanente, et bien il voyait ses portraits, il me contactait le lendemain avant de partir à Paris pour me dire qu'il souhaitait peut-être en acheter. Et donc j'étais ravi, surpris de le rencontrer. Oui, surtout que lui c'est un connaisseur, c'est un amateur d'art contemporain, il a une galerie. Oui, Acte 2 à Paris, ça me semble-t-il. Et il m'expliquait que dans les collections de portraits ou de travaux qu'il avait de d'autres photographes, de grands photographes, d'ailleurs j'étais assez surpris et ravi, et bien il souhaitait avoir deux de mes portraits. Et ça t'a permis, ça t'a donné une certaine confiance et ça t'a permis de trouver ta vraie voix et ton vrai format quelque part. Ça m'a donné la force un petit peu, oui. Fatch, tout est reversé à une association? Eh bien, pas pour l'instant, parce que ce travail, comme on l'a dit tout à l'heure, va voyager, va continuer et à s'alimenter en différents portraits du monde. Et au bout de 2 ans? Au bout de 2-3 ans, peut-être, j'aurai terminé cette exposition et je souhaitais la proposer à la Fondation Mandela pour pouvoir participer à son combat et à la lutte contre le sida. Bravo! Juste un petit mot sur ta façon de travailler. Tu vas dans la rue et tu as ça. Oui, c'est un petit On n'a plus énormément de temps, donc montre-nous. Les gens ne peuvent pas savoir si ce que je leur propose réellement. Donc avec ce procédé, je vais facilement. Alors, je vais de pouvoir montrer ce que je veux faire avec eux. Et donc, c'est un petit peu rigolo, c'est un petit peu sympa. Ils peuvent voir comme ça le travail que je leur propose et un petit peu le travail que je fais pour... En plus, il y a le déclic du photographe. Voilà. C'est ça qui est génial. C'est intéressant, le bruit suit aussi. On va s'arrêter sur ce très beau portrait de cette jolie réunionnaise métissée. Merci, très belle. Et puis, ta petite carte de visite aussi est originale, puisque quand on la met au soleil, il y a les coordonnées qui apparaissent. Voilà. Alors vraiment, si tu n'as jamais vu Fatch, tu nous en mets plein la vue. Pourtant, bon vent à ton exposition. Merci. Bravo.